Si vous aimez l'agneau et l'aubergine, ça tombe bien, on a la recette. Moussaka, on vous emmène en Grèce, super simple. C'est parti, vous allez voir, on va commencer par faire la farce agneau. Hein. Alors on y va. On a une cocotte qui chauffe, on va mettre un petit filet d'huile. Alors on est sur une viande d'agneau. Un petit haché, hein, comme ça. Voilà, une huile bien bien chaude, d'accord. Et comme on est des cuisiniers, on assaisonne. On commence à mettre un tout petit peu de sel, là. Voilà, un petit peu. Pour l'instant, on ne touche pas la viande, on la laisse bien bien colorée, et surtout remonter en température pour qu'elle puisse colorer sans accrocher. Voilà, c'est bien coloré, surtout il y a des sucs au fond. On va ajouter maintenant les oignons, on va ciseler rapidement. Voilà, petite garniture là, nickel. Et ça, ça va apporter de l'humidité. Je vais y mettre un tout petit peu de carotte pour apporter du goût. Coupez bien fin. On a mis l'oignon et la carotte. Tu vas ajouter le concentré de tomate qui va apporter une profondeur. Cuillère à café là. Voilà. On va le faire cuire, le concentré de tomate, on va le cuire quand même. Ça, c'est... Pourquoi tu le cuis? Parce que ça casse un petit peu l'acidité. Voilà, ça enlève l'acidité. Ça va changer de couleur, il va être un peu marron, vous inquiétez pas de soucis. Et là, on va déglacer avec un verre de vin blanc sec. Ça, c'est pour amener de l'acidité, d'accord. Et c'est... dès que vous mettez l'alcool, on fait réduire pour pas que c'est ce goût alcooleux, ok. Allez, Christophe, je te laisse terminer. On va couper les tomates rapidement. Voilà, le vin blanc est évaporé, Christophe. Alors on va ajouter maintenant la tomate qui va apporter l'acidité, mais surtout l'humidité nécessaire à la cuisson. Voilà, et bien moi je rajoute une belle branche de thym, et puis une petite gousse d'ail et germée, ok. Allez, on va mettre un petit tour de poivre, on va laisser mijoter ça pendant 35-40 minutes. Un petit tour de poivre du moulin. Voilà, et puis éventuellement, on va assaisonner un tout petit peu pour assaisonner la tomate, ok. Voilà, un petit couvercle, et on va laisser mijoter pendant 35 à 40 minutes. Pas de bonne moussaka sans l'aubergine. Alors maintenant, Damien, une belle aubergine. Des belles tranches. Allez, vas-y, je te laisse bosser. Moi, allez, je prépare la poêle. Alors, on enlève le long rapidement. Sans trop gaspiller. Et alors, petite astuce, on va commencer par faire... Une petite base. Une base, voilà. Ça va nous permettre d'avoir une aubergine qui va être bien posée. De ne pas se couper. Et là, tu fais des tranches d'un centimètre à peu près? Oui, environ un centimètre. Voilà, bien régulière. Je mets un petit filet d'huile dans la poêle. Alors, l'aubergine, c'est un petit peu gourmand en huile. Hein. Et je vais prendre les aubergines et je vais les passer à la poêle recto verso. Alors, c'est juste pour les colorer et pour apporter du goût. Parce qu'en fait, la cuisson va se faire après dans la moussaka. Voilà, les aubergines sont terminées. N'oubliez pas de les saler légèrement, hein, ce qui est très important en cuisine. Voilà. On y va, on va passer au montage de la moussaka. Première chose, un filet. Un petit peu à gratin. L'huile dans le plat. Voilà, vous l'huilez légèrement, bien sur les bords, hein, pour pas que ça accroche après. Voilà. Hop, hop, hop. Alors la première couche, aubergine. Voilà, généreux en aubergine, on tapisse bien le fond du plat à gratin d'aubergine. Première couche d'aubergine terminée. Allez, on ajoute l'agneau cuit dessus. On va répartir en trois. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors, on va le lisser un petit peu. Deuxième couche. C'est gourmand. Hein. Deuxième couche d'agneau, hein, le deuxième tiers. Voilà, on répartit. Ça va vite à monter. Hein. Oh oui, c'est... une fois que tout est cuit, c'est juste... Voilà, dernière couche. Attention, couche finale. Suivez bien, c'est très beau. Allez, comme il me reste un petit peu d'agneau, on le termine. Alors, pour terminer la moussaka, béchamel. Donc, vous faites la béchamel à l'avance. Et on va la... Alors, généreuse. Et voilà, chef Christophe, j'ai rajouté le parmesan. Et maintenant, cuisson. On va enfourner 180 degrés. 25-30 minutes, il faut que ce soit un beau gratin, mais aussi qu'on ait toutes les saveurs qui se mélangent bien à l'intérieur du plat. Allez, à tout de suite. Donc là, la moussaka, elle est parfaite, elle est super gratinée et à table. C'est à vous.